En 2015, Teriba Colline a réussi à créer un circuit de distribution dans les collines et qui s'étend aujourd'hui à Boïcon et Cotonou. Et participation à la fois internationale de l'indépendance à Cotonou, et à la fois de FICO et à la fois JCI. Et imposition de produits solidaires à la population béninoise, tels que le miel, le soja, le moringa et l'huile de neem, le savon à base d'huile de neem. Et en 2015, nous avons réussi à faire un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de francs CFA, ce qui fait la fierté de Teriba Colline. Au départ, j'avais peur de faire la distribution des produits made in Benin. Est-ce que ça pouvait marcher? Est-ce que les gens vont acheter? Mais par la formation même, l'accompagnement du programme BES et de mes conseillers de sens, j'y crois et je suis fier. Teriba Colline est non seulement une fenêtre ouverte aux produits solidaires, mais aussi fait le retour sur la qualité des produits aux entrepreneurs. Dans les années à venir, nous envisageons renforcer le système, le circuit de distribution basé sur la confiance, c'est-à-dire les entrepreneurs, leur faire confiance que Teriba est prêt à absorber, à mettre sur le marché tout ce qu'ils vont produire, et de ne plus avoir peur de transformer les ressources locales. Teriba Colline à Tchaïvillers.